Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce tuto extrêmement complet. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, tout cela se passe en live sur YouTube et sur Twitch, le lien est dans la description de la vidéo. Petite précision avant, je joue donc sur PlayStation et je joue avec une manette DualSense Edge. Personnellement, au niveau de la sensibilité de joystick, en fait, j'ai beaucoup joué avec rapide, précision, ainsi de suite, et en fait, j'ai remis tout par défaut. Pourquoi ? Pour utiliser en fait la courbe dynamique qu'il y a dans Warzone qui me correspond le mieux. Comme je le dis, tous les réglages et les paramètres que je vais vous montrer ici doivent être pris avec des pincettes ou du moins avec un certain point de vue. C'est à vous aussi de trouver ce qui va vous plaire et ce qui vous convient. Avant toute chose, commençons par les réglages manette. Vous allez dans l'onglet manette, votre périphérique est réglé. Au niveau de la configuration des touches, j'ai laissé tout par défaut. En bas à droite, j'ai s'accroupir ou glisser. Et en bas à gauche, sur ma palette, j'ai sauté pour pouvoir faire des jump shots et l'autre pour pouvoir faire des drop shots si besoin. Marquage touche L1 pour les pings, je n'ai pas mis. Je n'inverse pas mon L1, R1 et L2, R2. La configuration des joysticks, elle reste identique. Au niveau des vibrations des manettes, moi je les enlève, ça permet d'être un tout petit peu plus précis. L'effet des gâchettes, je l'ai enlevé. Au niveau de l'entrée des zones mortes, ça c'est extrêmement important. Tout le monde se pose plein de questions sur les zones mortes. Au plus votre zone morte va être basse, au plus votre joystick va réagir de la manière dont vous allez le bouger sur votre manette. Vous savez que certaines manettes peuvent avoir du drift, c'est-à-dire que votre joystick tremble tout seul et donc votre visée va soit partir un petit peu vers la gauche ou un petit peu vers la droite. Ici, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous avez l'option justement test de la zone morte des joysticks. Activez-la et regardez un peu comment se portent vos joysticks. En fonction de ça, vous arriverez vous-même à définir. Voilà, ici, on voit que mon petit joystick gauche bouge un tout petit peu. Pour ça, il me suffit simplement de le remonter. Et là, il ne bouge plus. Mais ce qui veut dire qu'en ayant monté cette valeur-là, il va mettre un tout petit peu plus de temps avant d'être réactif dans le jeu. Pour ma part, la zone morte pour le joystick gauche, elle est de 1, ce qui me permet de bouger directement, quasi. La zone d'amplitude, donc c'est-à-dire je vais devoir aller au bout de mon joystick pour que l'action, soit maximale. Je vais devoir pousser mon joystick le plus haut vers l'avant sur ma manette pour que mon personnage commence à faire le mouvement le plus important. Au niveau du joystick droit, ici ma zone morte minimum elle est de 2. J'évite un petit peu le petit drift que je pourrais avoir dans mes joysticks et j'ai l'habitude d'avoir cette gestion-là. Par exemple, je pourrais rediminuer à 1 ou à 0. Mais si je remets à 1 et à 0, vu que j'ai un peu de drift, vous voyez, on voit un peu que mon joystick tremble. Voilà, comme ça, vous avez un peu toutes les clés pour l'amplitude maximum. Ici, au niveau du joystick droit, l'amplitude maximum, j'ai mis 98. Comme ça, je ne dois pas aller jusqu'au bout du bout du bout de mon joystick sur ma manette pour pouvoir complètement tourner rapidement. Les zones mortes de la touche L2 et R2, vous les mettez à 0. Ça, c'est complètement important. Passons maintenant aux paramètres visée. Alors, la sensibilité, c'est un énorme sujet, c'est extrêmement complexe, c'est aussi également très personnel. Vous savez que l'échelle va de 1 à 20, donc dites-vous que 10, c'est la moitié de ce que le jeu offre en termes de rapidité, de sensibilité. J'ai trouvé du confort dans la sensibilité 10-10, et je garde la même pour la sensibilité horizontale et verticale. Et ça, c'est vraiment à vous de trouver cela. Il y en a beaucoup qui disent, oui, les pros jouent en 4-4 ou jouent en 6-6. C'est à vous de trouver, et pour ça, rien de mieux d'essayer. Vous devez faire des parties privées contre des bots pour voir là où vous vous sentez le plus à l'aise. Une fois que vous arrivez à faire corroborer vos mouvements dans le jeu avec votre envie, votre feeling sur la manette, alors là vous aurez compris, vous avez trouvé la bonne sensibilité. Pour le multiplicateur sensibilité viseur, donc là c'est lorsque vous visez, vous pouvez décider d'accélérer ou de ralentir la sensibilité choisie au-dessus. Je suis à 85% de ma sensibilité de 10. Les multiplicateurs de sensibilité, moi je ne les utilise pas. Au niveau de l'axe de visée verticale, je laisse tout standard, je n'ai touché à rien. On passe ensuite au multiplicateur de visée en position tactique, ça c'est quand votre arme est penchée. Moi j'ai mis 1.10. Vous avez une option supplémentaire, créer de la courbe de réponse de visée. Moi j'ai mis 0.85, c'est là où je me sens le plus à l'aise. Au niveau de la concentration, je suis toujours à 1. Alors très important, en transition de la sensibilité en visant, vous mettez instantané. Dès que vous visez, votre sensibilité en visant va passer au X% de votre sensibilité que vous auriez choisi précédemment. Personnaliser les touches pour chaque zoom, moi je ne l'ai pas fait comme je vous l'ai dit. Aide à la visée des cibles, vous mettez avec et vous pouvez vous entraîner sans certaines parties, c'est assez challengeant et vous allez vraiment vous améliorer au niveau de votre visée. Le type de visée, moi je suis à l'aise avec Black Ops. Certains disent qu'il y a par défaut qui est bien aussi. En tout cas, que ce soit par défaut ou Black Ops,
ce sont les deux qui sont les plus agréables à utiliser quand vous jouez manette. Et vous pouvez mettre le type assistance si vous jouez en zombie ou lorsque des modes en troisième personne sont disponibles. Au niveau du gameplay, alors pour le sprint automatique, vous devez mettre le sprint tactique automatique. Ça permet à votre personnage de directement se mettre à sprinter. Glisser n'annule pas le sprint. Vous mettez avec, ça vous permet de pouvoir être plus rapide et pouvoir faire des sweat constant slide et de pouvoir un peu mettre des petits turns à vos ennemis. Paramètres du sprint tactique, moi j'ai mis appuyer en courant. Franchissement au sol, je l'ai activé. Franchissement automatique aérien, ça vous permet justement de pouvoir vous déplacer vers l'avant pour avoir de meilleurs mouvements et d'être plus rapide. Suspension franchissement au sol automatique, vous mettez 100. Paramètres de glissade plongée, moi j'ai mis appuyer pour glisser parce que je veux des fois aussi pouvoir plonger. Plonger sous l'eau, j'ai mis manuel. Ouverture du parachute automatique, j'ai mis non. Pourquoi ? Parce que si vous parachutez de votre avion, vous arrivez sur la map et votre parachute s'ouvre à 20 mètres au-dessus du sol, vous êtes une cible pour les ennemis. Donc essayez d'atterrir toujours au plus ras de l'endroit où vous voulez aller et essayez d'ouvrir toujours votre parachute au dernier moment. Enfoncement des portes, mettez-le, c'est extrêmement intelligent pour faire tout des dorbages, donc c'est vraiment pouvoir jouer avec vos ennemis avec les portes. Franchissement des rebords, moi j'ai mis franchir uniquement. Pour les paramètres de combat, quand vous voulez viser, le mieux c'est de maintenir. L'activation du changement du zoom, moi j'ai mis sprint, sprint tactique et concentration. Les paramètres d'équipement, c'est maintenir, donc là c'est lorsque vous voulez lancer une grenade ou une fumigène, vous allez appuyer sur votre touche R2 en la maintenant, et une fois que vous allez relâcher la touche, par exemple le C4 ou la grenade va seulement partir. L'activation de la stabilisation d'armes, c'est lorsque vous voulez vous mettre contre des rebords pour gagner en stabilité de visée. Extrêmement important, notez visée et corps à corps. Comme ça, vous vous placez sur un bord et vous verrez, votre aim sera beaucoup plus rapide. Attention, votre angle de visée est délimité par rapport à la surface sur laquelle vous allez vous poser. Délai de sortie de la stabilisation d'armes, mettez instantané. Comme ça, dès que vous bougez votre joystick droit, vous bougez du rebord. Activation de la position tactique. Moi, j'ai mis regarder dans le viseur et touche vers le bas. Vous avez deux options. C'est à vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Paramètres de la position tactique. Moi, j'ai mis appuyer. Commande, interagir, recharger. Mettez priorité à l'interaction. Ça vous permet de looter plus vite et ça vous permet aussi de recharger plus vite dans les situations de combat. Commande des plaques. Moi, j'ai mis utiliser toutes les plaques. Changement de joystick en mode de visée. Vous laissez 100. Contrôle du sac à dos, ça c'est comme vous le préférez. Changement automatique d'arme, moi j'ai quand même mis avec, c'est toujours utile, ça m'a déjà sauvé quelques fois. Détonation rapide de C4, vous mettez groupé, c'est-à-dire que vous allez me lancer un C4 et puis un deuxième, et puis lorsque vous allez appuyer, vous allez les faire exploser en même temps. Le paramètre de tir manuel, moi j'ai mis maintenir. Paramètre de l'akimbo, j'ai mis associé, c'est-à-dire que lorsque vous avez des armes équipées d'akimbo, que vous appuyez soit sur R2 ou sur L2, ils vont tirer. Vous n'avez pas l'option de viser quand vous êtes dans l'akimbo. Paramètres des véhicules, vous mettez délai court. Position initiale caméra, vous mettez vue libre. Activer, se pencher corps à corps. Délai de la roue de ping, moi j'ai mis modéré parce que si vous mettez trop rapide, des fois vous n'arrivez pas à être précis et ça va bien trop vite. Appuyez deux fois pour l'indicateur pour indiquer un danger. Donc là, c'est quand vous voulez vraiment mettre le petit ping rouge sur la map. Paramètres des roues, moi j'ai mis maintenir. Parlons maintenant au niveau des graphismes. Toujours pour les consoles, lorsque vous avez au moins un écran 120 Hz, l'affichage de texture à demande, vous le désactivez. Ça va vous utiliser des ressources pour rien. Les flous de caméra, vous me les enlevez tout de suite. C'est vraiment inutile. Ça paraît peut-être beau, mais vous n'allez pas voir votre environnement de manière clair et distinct. Les flous de mouvement de l'arme, pareil, vous les enlevez. Le grain de l'image, vous le mettez à zéro. La profondeur de champ, vous mettez 100. Ça vous permet d'avoir un environnement et des contours beaucoup plus nets lorsque vous visez. Le Fidelity FX CAS, moi je mets à 100 et je l'active. Le champ de vision, la fameuse FOV. Alors moi personnellement, je joue en 118 et parfois j'oscille entre 116 et 118. Ça booste un petit peu les massistes. Vous avez aussi cette impression de rapidité et que votre personnage se dépasse plus vite. Champ de vision de la visée, vous mettez prédéfini, ça vous permet de garder toutes les proportions. Champ de vision de l'arme, moi j'ai mis par défaut. Au niveau du champ de vision à première personne, moi j'ai mis 90. Mouvement de caméra à première personne, vous mettez 50% au minimum. Mouvement de caméra à première personne, pareil. Grenade flash inversée, moi je ne l'ai pas mis, je préfère me choper la grosse image blanche dans ma gueule. Transition de visée à troisième personne, vous laissez comme ceci. Caméra spectateur, point de vue. Luminosité, ça, réglez-le comme vous le voulez. Ensuite, il y a la zone sur... C'est la zone sur laquelle vont s'afficher les différents éléments de l'interface, à savoir en haut à gauche vous aurez la map, en bas vous aurez vos coéquipiers, en bas à droite vous aurez vos différentes armes. Il y a vraiment beaucoup d'infos qui pop sur les écrans et ça peut parfois être super embêtant. Donc ça, essayez
de gérer les infos, le mieux c'est ce qui vous permet en fait ce réglage là de pouvoir juste jeter un peu des petits coups d'œil à droite et à gauche sans devoir tourner la tête en jouant. Alors pour les réglages audio, au niveau du mixage audio, vous allez utiliser le booster de basse casse. Volume musique jeu vidéo, je le mets à 4, mais pour les bienfaits de cette vidéo, je l'ai mis à 50, vous avez un petit fond sonore derrière. Volume des dialogues, j'ai mis à 30, ce sont toutes les interpellations, genre drone, ennemi dans la zone d'opération. Volume des effets, moi je mets à 80, vous pouvez mettre à 100, mais j'avoue que ça va fort et préserver vos oreilles. Musique des cinématiques, je l'ai mis à 4. Volume des pistes audio, je l'ai mis à 100. Et le volume du chat, ça dépend un peu. Au niveau du chat vocal, bah, activez-le. Comme ça, vous entendez un peu tout ce qui se passe. Vous entendez déjà vos coéquipiers et vous pourrez entendre également le chat de proximité. Pour les paramètres du micro, je vois encore beaucoup trop de gens qui n'arrivent pas à régler correctement leur micro. Pour ce faire, je vais vous expliquer, on va faire un petit test. Le premier paramètre, c'est ce qu'on appelle un gate, autrement dit une porte. En réglant cette valeur-là, votre micro va capter plus ou moins le son que vous lui envoyez. C'est-à-dire que au plus la valeur pour la sensibilité micro ouvert est basse, au plus votre micro va capter le son ambiant. Que ce soit des bruits derrière, un enfant qui rigole, une voiture qui passe, une porte qui claque par exemple. Au plus vous allez augmenter cette valeur-là, au moins votre micro va prendre de signal. Je vais vous montrer un petit essai. Voilà, voilà. Ici vous m'entendez en double. Je vais donc monter la valeur. La valeur. Au fur et à mesure, et vous allez ne plus entendre mon micro. Test. Voilà. Voilà. Au fur et à mesure que vous allez parler avec votre intensité de voix et votre volume, vous allez pouvoir régler votre sensibilité de micro ouvert. C'est extrêmement important. Ensuite, on passe sur couper le micro au moment de la connexion. Mais ça, avec ou sans, de toute façon, ça se coupe, donc on ne sait rien y faire. Au niveau du volume du micro, moi j'ai mis 50, 52, car je sais que le micro qui est branché dans ma console, j'ai un micro statique, ça permet justement d'être beaucoup plus qualitatif et de vous fournir une belle voix lorsqu'on fait des games ensemble. Au niveau de l'interface, les sous-titres, vous les enlevez. On va passer ensuite à la taille du texte. Moi, j'ai mis par défaut, c'est ce qui prend le moins de place. Les tailles du texte du chat vocal, moi, j'ai mis par défaut. Au niveau des réglages, plus, l'opacité, je n'en ai pas mise. Et la durée des messages du chat, j'ai mis très court. Au niveau de la personnalisation des couleurs, moi, j'ai tout laissé par défaut. J'essaie un peu de jouer, de chipoter avec les filtres et ainsi de suite, mais je ne m'y retrouve pas. Si jamais vous le voulez, il paraît que le filtre 2 est plus qualitatif, mais les couleurs changent. Et en fait, étant daltonien, moi, ça ne m'arrangeait pas de changer forcément les couleurs. C'est assez étonnant. La forme de la mini carte, vous mettez carré, car en la mettant carré, vous allez voir beaucoup plus d'informations sur la map. La boussole horizontale, c'est la boussole que vous avez en haut de votre écran qui vous permet de donner une direction à vos équipiers, mais aussi de voir par des petits points rouges là où il y a des tirs sur la map.